Bonjour à tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc, pour votre information, je suis dans la ville de Yaoundé. Et puis, on va commencer les consultations. Donc, je fais cette vidéo juste pour parler à deux, trois personnes là-dehors. Donc, je bénis les paroles qui vont sortir de ma bouche et je demande l'inspiration aux ancêtres pour qu'ils puissent vous donner un message et que ce message soit utile pour vous, que ce soit une réponse à vos questions, vos prières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonjour, je vais bien. Bonjour, la reine Espérance. Bonjour, la reine Bané, non, Manemombe. Vous savez, vous n'avez pas encore assez souffert. Vous n'avez pas encore assez souffert. Olivia Jean, tu dis que les produits marchent. Ça, c'est super. Vous n'avez pas encore assez souffert. Jacques, tu as dit que je suis fatiguée de souffrir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore, on appelle ça casual. Casual, ça veut dire que on te dit fais telle chose, tu fais un peu, souvent tu fais, souvent tu ne fais pas. Souvent tu viens, tu attends qu'on vienne, tu sois toujours quelqu'un d'autre qui t'inspire. Ouais, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'ai beaucoup d'entre vous vous pleurnichez. Oh, c'est toi qui vas faire quelque chose pour moi, je t'en prie, sauve-moi. Oh, écoutez, si vous ne voulez pas que votre situation change, ça ne changera pas. Je suis un canal, un vaisseau, une confirmation, une réponse, appelez ça comme vous voulez. Mais le travail doit venir de vous. Si vous n'êtes pas prêt à mettre le travail et vous êtes paresseuse ou paresseux, vous n'aurez pas vos résultats. Et je sais que vous n'aimez pas ça. Vous aimez le genre de formule qu'on vous dit, bonsoir, bonjour le roi Wafo. Vous aimez ce qu'on vous dit que ouais, prends ça, tu mets en bas de ton oreiller. Tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir l'argent. On m'a envoyé les produits au Gabon. Tu peux venir me voir. Tu payes ta consultation. Tu prends tes produits. Tu rentres chez toi, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Et si tu ne fais pas, tu n'auras pas ton résultat. Vous me comprenez? J'attends de vous une détermination. Ce matin, je devais arriver à Yaoundé à... Je devais arriver à 7 heures. J'écris dans le groupe des gens qui ont déjà payé. Je leur dis, je n'arrive plus à 7 heures. Je viens plutôt à 11 heures. J'ai des gens qui m'ont dit que je suis ici là depuis 6 heures, je t'attends. Je vais rester ici, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu viennes. J'ai dit jeûnez, vous ne jeûnez pas. Lavez-vous avec le sel, vous ne vous lavez pas. Oh non, tu ne peux pas comprendre ma situation. Hein. Ma situation est tellement mauvaise. Ah, mon mari, c'est quelqu'un. Mamie, tu crois que tu as tout. Tu as les problèmes plus que qui? Et je dis non, je gronde, je tape même. Pendant qu'elle fait mes consultations, ça ne va pas prendre à te foutre. S'il y a un esprit en toi qui te dérange, il va sortir de ton corps. Bonjour le roi Feuillot. Si c'est n'importe quel esprit qui t'empêche de te laver avec le sel, je vais te taper, ça va sortir. Déterminez-vous que ça va changer. Ma situation va changer. Comme si vous repartez n'importe où.
Faut que je me lave, même si c'est 4 fois, 5 fois par jour. Que je prie. Il y en a parmi vous, je vous donne le chapelet à faire. Moi, je ne suis pas catholique. Hein. Il n'y a pas la religion sur ça. La spiritualité est différente de la religion. La religion vous fait rentrer dans des trucs. Ok, j'ai fait 50 choses aujourd'hui, ça va. J'ai fait le. Je vous salue Marie deux fois, c'est bon. La spiritualité, hein. Tu dis, j'étais en train de prier ce matin. L'esprit m'a. J'ai justement une vision. Je me suis vu en train de prendre le sel, j'ai versé dans ma cour. Je me suis vu en train de prendre l'eau. J'ai fait comme ça. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai mis sur le front de mon enfant. C'est quand tu écoutes et tu fais. Français Tetundi, écris sur WhatsApp maintenant. On va te donner la localisation. OK? Omnisport à Yaoundé. Écris, on va te donner la localisation. Il y a la secrétaire qui s'occupe de ça. Il y a même un monsieur qui a payé pour sa mère. Je n'arrive pas à trouver son numéro. Si vous m'écoutez, ça fait 2 jours. Ne venez pas me voir. Ne venez pas me voir. Parce que vous n'avez pas encore. Vous allez trop venir. Oh, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. J'ai ma vie, ma vie. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Parce que quand tu viens devant moi, je vais te demander qu'est-ce que tu veux. Allez lire la Bible. Quand quelqu'un venait devant Jésus, 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 Jésus. Jésus se tourne et dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si vous n'avez pas la réponse pour ce que vous voulez, on ne peut pas travailler ensemble. Et une fois que tu as un objectif dans ta tête, écoutez bien, personne ne peut t'enlever ça. Écoute, si tu as vu, tu vas voir. Hier, je fais le lavage d'une dame. J'ai fait son lavage à distance avec tous ses enfants. Déjà, quand vous faites le lavage, là, mon corps a pesé jusqu'à les qualités de can-can-can-can incantation qu'on avait fait sur la famille, là. Finalement, je fais. Quand j'ai fait ça, ça a provoqué les choses sur la famille, les gens qui les avaient dérangés. 2 heures plus tard, elle m'appelle en étant affolée. Oh, le monsieur qui avait envoûté ma fille là, oh, il a fait pour qu'elle ne vienne pas porter plainte contre moi. Oh, commissariat, ceci. Je lui dis qu'attends un peu, ma chérie. Est-ce que tu connais ce qu'on vient de faire là? On vient de briser des envoûtements et des malédictions qu'on a lancés des enfants. 2 heures plus tard, tu commences à paniquer. Est-ce que tu connais ce que tu veux? Dit oui, mais tu sais, c'est un très, il est très fort. Ouais. Vraiment, le pays dont il est originaire, là, ils font, je dis que ma chérie, laisse, tu ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Que si tu doutes de toi, moi, je connais qui je suis. Je ne doute pas de moi. Je connais qui m'a envoyé. Je connais ce qu'on m'a envoyé faire. Donc, si tu doutes de toi, reste avec toi. Reste avec ton doute là-bas. Ne viens pas ici avec ça. Mais je déclare ça sur la vie de ton enfant. Parce que parfois, vous croyez que, okay, comme on a fait le travail, je vais rentrer chez moi, tout sera fini, c'est bon, c'est rose, c'est bon, c'est fini. Non, c'est fini, j'ai acheté des produits. Parfois, tu vas acheter des produits. Il y a une femme qui m'a. Hey, Seigneur, l'autre aussi, alors. Elle achète les produits. Elle ne dit pas à son mari. Vous, les femmes là, que vous êtes mariées, on ne. Soyez sages. Le produit arrive, retire, tu mets dans la bouteille. Pas d'étiquette. Et même en envoyant, je peux mettre dans les bouteilles sans étiquette. Si bien que ça arrive, on s'y voit seulement vert, rouge, jaune. Il dit que c'est quoi comme ça là? Non, 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 c'est un nouveau gel là qu'il voulait tester. Les produits sont arrivés. C'est la deuxième fois qu'elle commandait en France. Ça arrive. Il prend. Il ouvre. Il filme. Il part jeter dans la poubelle. Elle rentre, elle dit qu'on est censé m'envoyer livrer un colis aujourd'hui, non? C'est où? L'enfant dit, maman, 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 papa a jeté. Papa a jeté. Lui-même, il dit que j'ai jeté. Elle n'arrive pas à croire. Elle demande l'enfant, tu sais que l'enfant ne ment pas. L'enfant dit que, oui, 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 il est parti mettre dans la poubelle.
Elle dit que je suis dépassée. Mettez la sagesse. Parce que parfois, ça va sortir de ton lit. Ce sera dans ton lit. Dans ton lit, que tu parles. Ton lit. Soyez sage. Soyez déterminé. Une autre est venue l'autre jour. Le premier jour qu'elle est arrivée là-bas, je l'ai vue. J'ai dit que la fille cherche les hommes. Elle cherchait, elle veut dire qu'on la drague de haut. Elle vient m'expliquer en fait. Que, en fait, le mari avec qui elle est, il ne la calcule plus. Au contraire, il la néglige et puis tout ça là. Et c'est une fille très intelligente, peut-être 26, 27 ans. Côté business, très intelligente. Premier jour, elle vient d'abord, elle paye les produits. Elle part. Le lendemain, elle dit que je veux absolument te parler. Quand elle revient. Quand elle revient. Elle m'a attendu 4h30. Parce que quand elle arrive, j'ai une urgence en ville. Je suis partie. Je suis revenue. En fait, son mari la déteste tellement que il a fait semblant de lui offrir une voiture pour son anniversaire devant les gens. Il ouvre la voiture devant les gens. On dit, waouh, tu as la chance. Hein? Ton mari t'achète la voiture. Waouh, mieux de toi. Dès qu'il rentre à la maison, le mari dit, donne-moi la clé. Donc, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il est censé donner à sa femme. Vous voyez un peu le décret, non? Voilà. D'accord. Oui. Dès que tu prends un peu, elle vend dans sa boutique, après elle dit que, ok, achète même les chaussures, non, je vends même mes petites chaussures ici. Comme là, l'argent de ma réunion, je veux vendre un petit les chaussures ici, là. Le mari dit, tu veux devenir, les gens te conseillent. Les gens te conseillent là-bas dehors. Donc, tu veux devenir maintenant, les gens te conseillent, hein. Il a des courages. Quand il vient me voir, il dit que j'ai 3 réunions. Elle est presque comme Majaki. Majaki fait dans 5, fait dans 4 réunions. Elle dit que j'ai 3 réunions qui vont bientôt sortir. Il connaît seulement 2 réunions. Maintenant, les autres réunions, je vais prendre ça pour me lancer avec. En lui donnant les produits, j'ai dit que tu sais quoi, ma chérie? À malin et demi. C'est ma tante qui me disait tout ça. Ma feu tante, père ton âme, tata Ernestine. À malin et demi. Et parfois, c'est bien que tu fasses comme si tu es bête devant quelqu'un. Parce que quand tu te lèves, tu te laves avec ton sel. Ton énergie monte. Ça monte. Et c'est l'énergie-là qui va attirer ton argent. La personne a dit, ah, ok, tu peux faire le business. Tu rentres dans la journée, tu fais 500 000, 300 000, 100 000. Lui, il fait la moitié de ce que toi, tu as fait. À un moment, ça va l'énerver. Parce que tu t'es lavé avec ton sel. Tu as mis son bain de sel, il n'a pas fait. Tu as fait tes déclarations avec le don, lui n'a pas fait pour lui. C'est normal que ta puissance augmente. Je prends même, ça peut être l'inverse. Tu dis à ta femme de faire, ne fais pas. Maintenant, quand ton argent va augmenter, ne laisse pas la personne voler ton énergie. Ce genre de personne qui va rester pour un rien, un faux problème. Hein. Oui, tu voulais prendre le numéro du gars là, pourquoi? C'était pour faire le business. Tu veux maintenant qu'on te drague devant moi? Hein? Parce qu'il a vu que tu avais une opportunité de business qui allait te donner même 3 millions. Ou 4 millions derrière la personne là. Quand quelqu'un n'a pas la foi, la jalousie domine beaucoup. La jalousie domine beaucoup dans la personne. Il ne veut pas que tu avances, ou elle. Tu as acheté la voiture, comme ça, il vient voir. Tu as acheté la voiture. Maintenant, il y a des gens qui vont vouloir vous faire genre, tu avances déjà trop. On est en couple. Attends-moi. Je ne peux pas t'attendre. Tu ne fais pas le travail qui est nécessaire. Quand je suis là à minuit, je suis en ligne en train de poster, en train d'écrire, en train de poster ma marchandise pour vendre. Tu es en train de dormir. Quand je finis le travail à 1h, je viens faire mon bain avant de dormir. Parce qu'il faut que les ancêtres me parlent dans la nuit et que j'écoute ce qu'ils vont me dire.
Tu n'es pas là parce que tu dors depuis 19h. Parce que tu dors depuis 19h. L'esprit est équitable. L'esprit est équitable. Ce qui vous suçait l'énergie avant, c'est que, oh non, tu dois te soumettre. Tu dois être une bonne femme ou un bon homme. Chaque jour, elle dépense ton argent. Chaque jour, elle dépense ton argent. Ok, achetons le terrain. Elle commence à te dire, non, tu veux, je veux d'abord la voiture. Après, je veux d'abord ceci. Elle finit tout ton argent. Josiane Kadi, j'ai une secrétaire qui a commencé seulement sur WhatsApp aujourd'hui. Donc, écrivez-lui, vous demandez de vous mettre dans mon agenda. Aujourd'hui et demain, je suis à Yaoundé. Donc, je ne prendrai pas de consultation. Parce que je vais faire toute la journée consultation. Donc, je ne pourrai pas. Observez qui suce votre énergie. Tu t'assois souvent à côté de la personne. Là, tu dis, voilà, voilà, regardez. Tu vois, le mois passé, je faisais 100 000 francs le mois. Regarde, chérie, on a écouté les vidéos. Quand tu vas même dire, on a commencé à se laver au sel-là, il sait qu'il ne se lave pas avec le sel. On a écouté les vidéos, on s'est lavé avec le sel, on a parlé les déclarations avec le don. Voilà. Maintenant, on est quitté de 100 000, on a 300 000 au mois-ci. Maintenant, tu sais, le mois prochain, il faut qu'on ait 700 000. Il faut que ta vision est en train de s'ouvrir. Parce que quand tu... Il y a des trucs spirituels que quand tu fais, ça enlève le doute de toi. Liline, Liliane, donc il a derrière la voiture, tu vas acheter ta voiture, il dit que tu achètes pour toi. Tu lui donnes et tu prends sa part. Non, vous savez. Il y a les situations ici devant. Bon, je viens d'arriver à Yaoundé, comme je vous ai dit. Il y a les produits. Hein. Voilà, si Yaoundé, voici les produits qu'il y a. Donc, on m'a encore envoyé d'autres. Il y a d'autres qui arrivent de Douala tout à l'heure. Donc, il y a tous les produits ici. Il y a les bâtons de commandement. J'ai beaucoup de choses ici. Donc, on va. Je vais commencer les consultations tout à l'heure. Denis, tu es très pauvre, malheureusement. Tu comprends? Et vous savez, oui, le numéro de Paris, vous pouvez obtenir les produits par elle. Écoutez les vidéos, vous allez voir. Écoutez. Le truc, c'est que quand vous tombez sur ma page et vous aimez, une femme est venue l'autre jour avec son mari. Je vois le mari, là aussi, comme ça, faible, faible. Je vois la femme, c'est le genre de femme de président là. Avec un charisme. Brune. Sharp. Quand tu la vois, tu vois la détermination à ses yeux. Tu parles au monsieur là. Monsieur, tu te laves au sel. Souvent, madame, il dit que c'est même elle qui m'a forcé qu'on vienne ici. Ferrari Anaïs, à l'avenue des Généraux. Appelle l'autre numéro, moi t'indiquer là où c'est. Tu as compris, non? Je ne veux pas que vous veniez ici là tous comme ça là. J'ai parlé à la dame, j'ai dit que mamie, je ne peux pas consulter ton mari. Ne le force plus la prochaine fois, laisse-le à la maison. Laisse-le à la maison. Laisse-le à la maison. Il y a certaines choses que ce n'est pas. Ne prends pas tes perles, tu peux lancer au port. Le port va piétiner ça comme ça là. Il va piétiner. Après, tu vas croire que ce n'était pas les perles. Alors que effectivement, c'était des perles. Je suis venu avec le savon de visage pour Yaoundé. J'ai apporté ça. Arrêtez de prendre vos choses. Ce n'est pas ce que j'ai dit que vous allez partager avec n'importe qui. Devenez sage. Et souvent, ton intuition va te parler. Tu vas rester comme ça là. L'esprit va te dire que regarde ça. Observez bien. Le test pour voir, c'est que tu vas voir certaines personnes qui ne vont pas faire ce que je dis. Vous êtes ensemble. Vous écoutez tout ce que je dis là. Toi, tu pars, tu fais. Lui, pas, il ne fait pas. Ou elle, pas, il ne fait pas. C'est ça qui te fait voir que l'autre là, il y a un semblant de déception qu'on a à la personne. Ça commence à venir. Il fait seulement semblant d'être avec toi. Le truc, c'est que ces personnes vont se soumettre à certains esprits.
Le sel, en fait, s'enlève les mauvaises énergies sur toi. S'enlève, s'enlève, ça te connecte aux ancêtres. Mais normalement, tu ne le fais pas. C'est déjà la personne qui a aura les éclats de jalousie bizarres. Quand on va parler que non, voilà, tu peux tes revenus peuvent augmenter. Il ne croit pas. J'ai acquitté avec vos trucs là. Laisse-moi, je n'ai pas travailler là-bas. Une femme a écrit hier, elle me dit, voilà, je veux lancer mon business depuis, mon mari refuse. Il me dit qu'il doit aller chercher un petit salaire. Il me dit, il refuse. Ferrari Anaïs appelle le 693, 502266. 693-50-22-66. Le téléphone où tu appelles, ça ne passe pas. Je suis en train de faire le direct avec ça. 693-50-22-66. Tu attends, je finis mon direct avant d'appeler, s'il te plaît. Parce qu'il vous connaît. Donc, soyez sages. L'année 2022, c'est là, je vous ai dit. Vous allez acheter vos Cayennes. C'est déjà que le mois, si j'ai 1000 euros, mars, 18 000 euros dans mon compte. Juillet, 50 000 euros. Vous allez payer vos maisons, vos crédits bancaires, là, vous allez vous rembourser tout ça cette année. Mais ça a besoin de connexion. Votre oreille doit être raffinée. C'est bien que quand l'esprit te montre que c'est ça qui va donner, tu pars, tu achètes. On demande de la marchandise, tu pars, tu achètes même là-bas, même pour 5 000 euros. Ça va te donner 50 000 euros en 2 semaines. C'est comme ça. Voilà comment vous allez vous faire de l'argent. Voilà. Bon, vous passez une bonne journée. Vous passez une bonne journée. Passez une très bonne journée. Je commence la consultation de la vie de Yaoundé dans peut-être 10 minutes comme ça. Là. Au revoir à tout le monde. Le savon du visage, je vous ai dit, c'est là, c'est disponible. Ce qui me blesse, c'est que... Ce qui me plaît, c'est que tout ce que je dis, vous-même, vous avez vu, vous en avez voir comment votre vie a été changée. Chaque fois, il y a des gens qui m'insultent sur Facebook, après ils sont dans mes directs, ils se cachent. Ne perdez pas le temps pour les insulter, ça ne sert à rien. Ils se cachent. Ils viennent écouter ce que j'ai dit. Je montre les astuces avec les cristaux, tout ça, ils écoutent. Après, ils viennent, ils insultent. Laissez-les, ils font leur jeu de Decepticon. On les connaît déjà. Tout ce que vous savez, faites ce que vous avez à faire. Ne vous occupez pas. Parce que même dans votre livre, vous avez le Decepticon. Si tu vas t'occuper de ce qu'il fait, tu ne vas pas faire ton travail. Pensez déjà comment vous allez payer votre maison que vous avez pris. Il restait encore 15 ans de crédit là. Pensez à votre Range Rover que vous pensez que vous allez acheter dans 5 ans. Tout ça, là, voyez ça aujourd'hui. L'année 2022, c'est là. On va s'enrichir ensemble. Ne vous inquiétez pas. On va s'enrichir ensemble. Passez une journée. Voilà. Anaïs, là, tu appelles maintenant. Alors, la Prado 2022. J'aime les... Vous avez les goûts de luxe. Hein? Vous-même, là, vous n'êtes pas petit. Oh. Jesus. Attendez, vais voir. La Prado, la Range Rover. Oh. Vous allez tomber sur les produits que tu vas vendre. Tu vas tomber sur un produit qui va être un milliardaire une fois. Quand vous y pensez, il ne faut pas beaucoup pour être riche. Je trouve un truc qui marche, je multiplie, c'est tout. Un produit que 10 personnes achètent, je vends maintenant à 1 milliard de personnes. Chaque personne me donne un franc ou bien 100 francs. Ça me fait 1 milliard. C'est pas difficile de s'enrichir. Voilà. Bonne journée. Pour l'Ukraine, on peut envoyer en France et de la France, on te poste ça là-bas. Et tu payes les frais de poste, ok? Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.